Sam. Le voici, c'est lui. Ça, c'est absolument révoltant. Quand tu regardes ça, tu te dis, mais comment on peut faire ça? Il vit dans la merde. Je doute qu'on lui donne vraiment la nourriture indispensable. Il n'y a même pas un bol d'eau, il n'y a rien. La température sur son toit de tôle, ça doit monter à 50, 55 degrés. C'est révoltant. Je prépare un anesthésique pour l'endormir, pour ne pas être mordu. Il a déjà mordu 4 personnes il y a quelques jours, selon le propriétaire. C'est trop risqué maintenant de ne pas l'endormir. Il semble être fort. Il m'aime, il me fait des bisous, mais si je mets ma main sur son épaule, il ne m'aimera plus. Ce macaque, comme beaucoup de ses congénères, a été arraché de la forêt thaïlandaise alors qu'il était encore bébé. Il a été vendu comme animal domestique, mais une fois adulte, il est devenu dangereux. Son propriétaire a alors décidé de s'en débarrasser. Ah, ça, c'est le premier geste libérateur. Voilà, ça, c'est bien. Et ça, on les garde toujours en souvenir. Pas oublier ce qu'on leur a fait. Il fait trop chaud ici. Il faut l'emmener tout de suite dans la voiture et conduire aussi vite qu'on peut. Jean-Jacques, Noam et Edwin font partie du Wildlife Rescue Center. Alertés par le propriétaire du singe irascible, ils ont alors proposé de prendre l'animal en charge. Jean-Jacques Bellet est suisse. Il est arrivé en Thaïlande il y a 2 mois pour s'engager comme éco-volontaire sur ce programme de secours aux animaux. C'est vraiment pas difficile de lui offrir mieux. Une des choses principales qu'on va lui offrir, hormis la nourriture et l'espace, c'est aussi la compagnie. Ce sont quand même des animaux qui vivent en groupe, hein, les macaques. Donc on va, après un certain temps d'adaptation, s'il n'a pas attrapé un trop sale caractère, on va pouvoir le mettre avec d'autres individus. Et là, il y a une interrelation qui fait que sa vie sera complètement différente. Et ça, c'est bien. Situé au sud de Bangkok, le Wildlife Rescue Center accueille une centaine d'animaux. La plupart étaient en danger de mort ou en situation critique. Mal nourris, frappés par leur maître, ils étaient affectés à des tâches domestiques ou travaillaient dans l'industrie touristique comme attraction. Edwin Vick a initié ce projet il y a 3 ans, afin d'offrir aux animaux une seconde chance. Et pourquoi pas de les relâcher dans la nature. Tu as une idée de son âge? Il semble très jeune, il est très petit. Mais ses canines sont très grandes, donc il doit avoir entre 6 et 7 ans. C'est un âge adulte pour un macaque? Presque adulte. Il est considéré comme un adulte. Pour qu'un animal puisse être réintroduit dans la nature, quel que soit l'animal, on doit passer plusieurs étapes. Quarantaine, resocialisation, regroupement, retour dans un enclos naturel, et après, peut-être, retour dans la nature. C'est un très long chemin. C'est très difficile de dire maintenant, le premier jour, si on pourra le libérer ou pas. Pour ce nouveau pensionnaire, première étape, la quarantaine. 1 mois d'observation pour éviter une possible contamination des autres animaux du centre. Ensuite, il rejoindra ses congénères dans une cage. Là, on estimera s'il est encore capable de vivre en groupe. Mais ce singe ne sera jamais relâché dans la nature. Pour les macaques, pas de liberté possible. Ils sont déjà trop nombreux dans les campagnes et les villes thaïlandaises. C'est pourquoi au centre, les macaques sont en plus grand nombre. Là, on va rentrer dans la cage aux fauves. Mais ici, il y a aussi des gibbons, des civettes, des ours, un tigre, une loutre, un crocodile. C'est aussi pour cela que Jean-Jacques a choisi ce centre de soins. Ah, là, ils me sautent dessus, parce que simplement par jeu. C'est un jouet nouveau dans leur cage, là. Mais là, ils sont jeunes, hein. Aussitôt qu'ils ont quelques mois de plus, tu fais plus ça, c'est fini. Les dents sont trop pointues, ils sont trop agressifs. En fait, la babysitter, c'est un langour. Et les 4 autres, ce sont des macaques. Et il faut un bon caractère pour pouvoir vivre avec eux. Il fut un temps où j'étais
avec une cravate. Un bon travail, bien payé. On m'appelait monsieur. Et là, tu te fais sauter dessus par les singes, ils te pissent dessus. Tu te retrouves avec un balai entre les mains. Bah, honnêtement, je dois dire que je suis plus heureux comme ça. Jean-Jacques n'est d'ailleurs pas un nouveau venu dans le monde des animaux. D'autres expériences comme éco-volontaire lui ont permis d'acquérir un certain savoir. À 7h15, après avoir nettoyé les cages, les éco-volontaires préparent la nourriture. C'est l'argent de leur séjour qui permet d'acheter tous ces aliments et de faire fonctionner le centre. Ce sont toujours les nouveaux arrivés qui ont la tâche de nourrir les animaux. C'est un bon menu, non ? J'aimerais bien manger ça. Allons-y maintenant. Nous allons commencer par les gibbons. Habituellement, pour les gibbons, on ne met pas la nourriture sur le sol parce qu'ils doivent prendre l'habitude de manger en hauteur. Celui-ci a du blanc dans les yeux. Il est aveugle, malheureusement. Il a été maltraité quand il était jeune. On l'a nourri avec du sucre et des choses dans le genre, et maintenant, il a la cataracte. Il ne faut pas lui donner la nourriture comme ça. Ça pourrait être un problème pour Ni. Tu dois faire attention car ils sont presque tous dangereux. Même s'ils ressemblent à des animaux domestiques sympas, ils peuvent être assez violents. On essaie vraiment de leur donner un menu très varié, riche, où on a beaucoup de fruits, des légumes, des pommes de terre, du maïs. Donc c'est la première étape vers une bonne santé, vers une meilleure entente aussi à l'intérieur des cages. Les animaux bien nourris seront beaucoup moins agressifs. Suzanne est sud-africaine. Elle est arrivée au centre il y a un mois et elle a tout de suite été touchée par l'histoire de certains animaux. Elle n'a pas eu la possibilité de se développer. Elle a été mise dans une petite cage en bois, alors ses pieds se sont développés, mais pas le reste du corps. Elle est disproportionnée. Elle a de très longs pieds et son corps est atrophié. On n'a pas abusé de sa personnalité seulement. On a aussi abusé d'elle physiquement, car elle n'a pas eu la possibilité de se développer. Quand je suis arrivée ici, j'étais très déçue parce que les animaux étaient dans des cages. J'ai trouvé ça très triste, mais quand j'ai connu leurs histoires, par exemple celle de Pocky enfermée dans une cage, je me suis rendu compte que ce n'est pas aussi triste. Quand je vois qu'on donne une deuxième chance à Pocky l'ours, je ne crois pas que c'est cruel, mais ce n'est pas l'idéal. J'ai le sentiment d'aider avec la donation que j'ai faite, avec le travail que je fais. Ce qui m'inquiète, c'est que ce n'est qu'une goutte dans l'océan. C'est une situation si triste. Par exemple, Pocky. On est ici au paradis, mais voir quelque chose comme ça, c'est quand même triste. Mais je suis contente de ne plus être aveugle. Je suis contente de voir ces situations et d'en être plus consciente. Ça va être dur de retourner chez moi, à mon travail. Aujourd'hui, Suzanne est aussi chargée de nourrir un nouveau pensionnaire, un bébé gibbon. Elle retrouve Amy à la nurserie. Amy est au centre depuis 2 ans. Venue comme éco-volontaire, elle est aujourd'hui permanente et seconde Edwin. Quel âge elle a ? Je pense qu'elle a 2 mois. Elle est très jeune. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Les gens vont dans la forêt et tuent la famille entière pour avoir un bébé. Après, ils peuvent vendre le bébé pour 10 000 bahts. Mon Dieu. Et bien sûr, il tue la mère.
Et à qui ils le vendent? Aux gens qui les veulent, comme animaux domestiques. C'est encore un trafic énorme. Les gens veulent avoir des bébés gibbons. Ils sont si mignons. Et quand ils grandissent? Ils deviennent agressifs, très agressifs. Quand ils ont 5 ou 6 ans, les gens ne peuvent plus les contrôler. On les met dans une cage ou on les attache avec une chaîne très courte. Elle semble très traumatisée de ne plus avoir sa mère. Oui, elle a besoin qu'on s'occupe beaucoup d'elle. Elle pleure pour qu'on s'occupe d'elle, mais on ne veut pas que les volontaires portent les bébés gibbons ou les autres bébés. On ne veut pas qu'ils s'attachent à différentes personnes, ils doivent s'attacher à une personne. Une personne seulement. Dans la nature, ils n'ont qu'une mère. Alors on essaie de recréer ça autant que possible. Combien de temps va-t-elle rester ici avant d'aller dans une cage avec d'autres gibbons? Elle devra avoir entre 6 ou 7 mois avant qu'on ne la mette dans une cage. Alors tu vas t'en occuper pendant ce temps-là? Oui. Comme une mère. Une fois le travail terminé, Edwin emmène régulièrement les éco-volontaires observer les animaux dans leur milieu naturel. On va faire un mini safari pour voir les éléphants sauvages. C'est pas sûr de les voir non plus. J'espère qu'on aura de la chance. Il y a quelqu'un avec un fusil là-bas. Non. Edwin vient d'apercevoir un braconnier. Oui, c'est un gangster. Il est en train de chasser dans un parc national. C'est très affligeant. Il est là pour la même raison que nous, voir des animaux. Mais nous sommes là pour les voir et les laisser vivre seuls. Mais il est là pour les manger, tirer dessus, les tuer. Il tire sur les éléphants aussi? Il ne ferait pas ça. Il sait qu'il aurait beaucoup de problèmes s'il le fait. Il était là, à côté de cet arbre, contre cet arbre, avec son fusil, pointé dans cette direction. Regardez, c'est ça qu'il cherche. Regardez les traces ici. Vous pouvez regarder les traces des éléphants. Les éléphants viennent ici pour prendre un peu de sel du sol, en dessous des arbres. Vous pouvez voir les traces qu'ils ont faites avec leurs jambes. Mais pas seulement les éléphants viennent ici. Civettes, porcs-épics, cerfs, ils ont tous besoin de cet espace. Regardez comme les traces sont grandes. Vous pouvez venir les voir? Les fermiers considèrent-ils les éléphants comme une peste? Les fermiers disent qu'ils sont une peste. Ils vont dans leur culture et les mangent, ils détruisent les champs, ils approchent leurs maisons. Mais en fait, c'est le contraire. Ce sont nous, les humains, qui empiétons de plus en plus sur la forêt. Si je veux libérer les animaux dans cette forêt, qui devient de plus en plus petite, que va-t-il se passer avec tous ces gens qui se promènent avec des fusils et qui chassent ici? Je ne peux relâcher mes gibbons ou mes singes dans une forêt comme celle-ci s'il y a des braconniers. Toujours aucune trace d'éléphant. Sur la route du retour, le groupe continue pourtant de chercher. Ils disent qu'il y a un éléphant là-bas. Ralentissez. Doucement. Pourquoi ils sont sur la route et pas dans la forêt où on les a cherchés? Ils sont obligés de traverser cette route. En fait, cette route traverse la forêt. Alors les éléphants doivent vraiment traverser la route tous les jours pour chercher la nourriture, l'eau, les endroits où se cacher et où dormir. Aujourd'hui, par hasard, on a trouvé l'ensemble du groupe. Y a-t-il des accidents? Éventuellement, parfois, les animaux sont heurtés par des voitures qui roulent trop vite. Je pense que pour les volontaires qui travaillent avec les animaux sauvages, c'est très important de les comprendre, de comprendre leur style de vie, d'où ils viennent, les interrelations entre eux, le type d'environnement où ils vivent. Si on veut comprendre les animaux avec lesquels on travaille tous les jours dans le centre, on doit aussi comprendre la vie de ces animaux dans la nature. Ah !
Vous ne croyez pas que cette lumière les gêne? Oui, je pense qu'ils ont besoin d'être seuls. On devrait les laisser et continuer la route. Déjeuner, c'est pas une affaire de tourpeau ici, hein? Le danger peut venir du ciel ou du sol. Ouais, voilà. Voilà. C'est ça. Donc maintenant, il va faire une répartition avec les chiens, parce qu'il peut pas tout mettre d'un coup dans la bouche. Les chiens vont le suivre. Ça met un peu du piment au déjeuner. Lui, il est libre, complètement libre. Il a été recueilli il y a, je crois, 2 ans au début du projet ici. Il était libéré, mais ici, il y a des toasts, la nourriture à profusion. Donc, il n'a pas trouvé intéressant de repartir dans la nature. Ça y est. Je ne suis pas concentré, c'est le problème. Deuxième toast du matin. Ça, c'est rare que j'arrive à récupérer un toast. Là, je vous présente Oli, ma loutre préférée. J'ai la chance de m'en occuper depuis 2-3 semaines, comme ça. C'est un animal qui a des dents très pointues, mais qui est vachement attachant. Elle est encore jeune. Je sais d'où elle vient. J'ai vu l'endroit d'où elle vient. C'était un machin de béton à peu près de cette taille-là, de moins de 2 mètres sur 2, avec un tout petit bidon où elle ne pouvait même pas s'y mettre. Assez sinistre. Presque une histoire d'amour, hein. Normalement, on ne doit pas vraiment s'amuser avec des animaux comme ça, hein. On n'est pas dans un kindergarten. Mais en fait, les loutres sont toujours des animaux de groupe, qui ne supportent pas trop la solitude. Alors comme pour l'instant, on n'en a qu'une, bon, on lui donne un peu d'affection. Et on ne va pas lui donner forcément de mauvaises habitudes, parce qu'on ne va pas avoir la possibilité de la libérer, celle-là. Oli n'est pas forcément de Thaïlande, on ne sait pas, on n'est pas sûr. On ne peut pas se permettre de la libérer comme ça dans un endroit sans savoir exactement si elle est de cet endroit. On ne peut pas rompre l'écosystème comme ça. À quelques mètres de la cage d'Oli, Jean-Jacques est en train de lui préparer une surprise. Ça, c'est mon camion. C'est mon camion qui arrive. Ce ne sont pas des briques. C'est un cadeau de Noël. C'est le cadeau de Noël pour Oli. Ça va servir à faire le bassin. Ça va servir à faire les murs autour. Ça va servir à faire la maison. Ah, j'ai vraiment eu envie d'offrir à Oli quelque chose de plus grand. La possibilité de vraiment nager. Et aussi la possibilité d'avoir une nouvelle loutre qu'on va pouvoir sortir d'un endroit glauque. Moi, je vais offrir la sueur. Et mes amis offriront l'argent. Je pense qu'avec 600 ou 700 euros, on peut faire le tout. Hein, moi, ça semble. Oh. Le Wildlife Rescue Center n'est pas uniquement réservé aux éco-volontaires. Il est ouvert à tous et Edwin organise régulièrement des visites avec les écoles de la région afin de sensibiliser les nouvelles générations aux problèmes des animaux sauvages.
J'essaie d'expliquer aux jeunes Thaïlandais que ces animaux sont des victimes. Ce n'est pas un divertissement. On n'est pas dans un zoo. Les animaux ne sont pas ici parce qu'ils le veulent, ou parce qu'on veut qu'ils soient ici. Ils sont là car ils ont été victimes du trafic illégal des animaux sauvages. Bon, il a besoin d'exercice, sa nouvelle cage n'est pas encore prête. C'est la raison pour laquelle on la voit en laisse. Vous ne verrez jamais d'autres animaux normalement en laisse. Il faut vraiment que ce soit des conditions très très particulières. Mais c'est la seule solution de lui donner vraiment de l'exercice. Et de pas la perdre. C'est comme un gamin. Elle s'amuse comme ça pendant 15-20 minutes, puis après elle se calme. Quand elle disparaît, il faut serrer les fesses. Parce que quand elle mord derrière, ça fait très mal. La vie d'éco-volontaire, parfois, ça peut être quand même difficile. Ah, pas celui-là, pas celui-là! Ce matin, une surprise attend les éco-volontaires. Deux éléphants arrivent de Bangkok, où ils étaient utilisés pour promener les touristes. Encore un animal entraîné qui va très prochainement percer chaîne. C'est des longues négociations toujours pour obtenir ces animaux. Pour les sortir de leur petit enfer. Vous savez, ces animaux sont obligés de travailler. Comme les chevaux en Europe, les éléphants en Thaïlande sont des animaux de travail. Je pense qu'ici, nous pouvons leur offrir un endroit plus adéquat pour vivre, avec des arbres, de l'eau, des montagnes. Je pense que tout ça, c'est beaucoup mieux que de travailler dans les rues de Bangkok, en plein soleil, toute la journée. Les propriétaires n'ont pas fait don de ces éléphants au centre, car ils souhaitaient avant tout récupérer leur investissement. Mais Edwin ne peut pas les acheter, il participerait alors au trafic d'animaux sauvages. Après une visite infructueuse, il y a un mois, un accord a finalement été trouvé. Les maîtres ont consenti à placer leurs éléphants au centre et à s'en occuper. En échange, ces propriétaires jouiront d'un toit, de la nourriture et plus tard peut-être d'un salaire. Je pense qu'ils devraient être réintroduits dans la nature. C'est ce que je voudrais. Mais en réalité, on ne pourra pas le faire. Être ici, c'est ce qui peut leur arriver de mieux. Ils ne seront pas exploités pour le tourisme. Alors je suis contente qu'ils soient là. Ce n'est pas triste du tout. Pour tous les éco-volontaires, la libération d'un animal est toujours l'objectif principal. Jean-Jacques est venu voir où en était le macaque récupéré il y a quelques jours. Ça a l'air nettement mieux que prévu. J'espère qu'on pourra le mettre avec d'autres rapidement. C'est important pour ces singes de passer leur vie en groupe. Malheureusement, avec les macaques en Thaïlande, il y en a pas mal un peu partout. C'est quasiment impossible de pouvoir les libérer. Dans la cage adjacente, Long, un gibbon de 3 ans, est arrivé depuis un mois au centre. Il a de la chance. Pour lui, c'est aujourd'hui la fin de la quarantaine. Maintenant, on va à la grande libération. Libération sur l'île aux juvéniles. Un grand moment où on verra si ce sera possible de le voir en relation avec les autres. Des fois, c'est pas possible, ils ont trop peur.
Afin de réinsérer les animaux sauvages dans la nature, un protocole de réhabilitation a été mis en place. Aujourd'hui, Edwin et Jean-Jacques tentent d'emporter directement ce gibbon à l'avant-dernière étape vers la liberté, l'île juvénile. Créé au milieu du lac, en face du centre, cet espace naturel est réservé aux jeunes gibbons. On peut dire que le gibbon est un des plus petits dans la famille des grands singes. C'est un groupe situé entre les singes et les grands singes. Ils sont totalement différents des macaques. Ils n'ont pas de queue et le corps est complètement différent. Ils ne grimpent pas sur les branches mais se balancent entre elles. C'est complètement différent des macaques. L'étape suivante, après cette île, c'est un environnement totalement naturel. C'est l'île de réintroduction. Ils y grandiront seuls et ainsi, ils seront plus intéressés par les mâles et les femelles que par les humains. Cela prend du temps. Passer d'un singe qui se balade parmi les gens dans les marchés pendant des semaines, des mois, des années, à un singe qui vit sur une île, c'est un grand changement pour eux. Et cela prend du temps. Posons-le ici. J'ai rêvé de ça presque toute ma vie. Tu me laisses ouvrir la porte? On est bon? C'est les autres qui vont rentrer, non? C'est bien. Ouais. Il est probablement jamais aller avec d'autres de sa race, jusqu'à maintenant, où il s'en souvient plus, c'est trop vieux. On va le faire gentiment. Hein? Gentiment, gentiment. De plus en plus apeuré, le nouveau venu tente de s'enfuir. Les gibbons ont naturellement peur de l'eau, mais celui-ci n'hésite pourtant pas à se jeter dans le lac. Ce qu'on va faire avec Long, c'est le garder dans le centre, dans une cage, avec d'autres jeunes gibbons pour qu'il s'habitue à eux. Manifestement, il n'a pas été en relation avec d'autres individus de sa propre espèce. Mais c'est que partie remise. Moi, je suis content, je suis très heureux d'avoir fait ce que je viens de faire là. Et vraiment, je ne crois pas que c'est un problème majeur. Juste un peu de temps. Quand on peut un peu corriger les erreurs que l'homme a fait, quand on peut participer à une réhabilitation d'animaux qui sont vraiment en danger, quand on peut être part prenante d'un futur pour les animaux, et le futur pour les animaux c'est quand même le futur pour nous aussi, parce que si les animaux disparaissent, je donne pas cher de la peau de l'homme simplement. Je me vois pas retourner dans un bureau, mais je vais tout faire pour être au maximum dans des endroits comme ça. Avoir l'impression vraiment de cette sensation de vivre.